Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs les adhérents, chers confrères, chers consoeurs, mes chers amis. Bon, que dire après ce message ? Alors que le logement n'a rarement tenu une place à la une des médias, dans les sondages d'opinion, dans les débats publics, comme dans les conversations privées. Rarement, la réflexion publique ne lui avait conféré à ce point le statut de thème majeur de société. Il a même eu droit à son Conseil national de la refondation. Les professionnels de la filière, dont les quelques 1200 chefs d'entreprise du pôle Habitat et les 470 personnes aujourd'hui présentes à cette convention, pourraient s'en réjouir. Il y serait enclin si on ne parlait pas du logement, parce qu'il va mal. La France a mal à son logement, au 10e niveau sur une échelle de 1 à 10. Certes, dans son histoire, le pays a déjà connu des périodes sombres en matière d'habitat. L'hiver 54 a montré que les plus fragiles pouvaient être invisibles, qu'on pouvait mourir du mal logement ou de l'absence de logement et qu'il fallait se battre pour réveiller les consciences. Certes, l'immobilier a déjà connu des crises, ces crises souvent financières, mais celles-ci ont été vite maîtrisées pour l'essentiel d'entre elles. Rien de semblable aujourd'hui et depuis de longs mois, sans qu'il soit permis de penser que ces tourments cesseront bientôt. Car aujourd'hui, tous les indicateurs témoignent d'une profonde dégradation. En année glissante, les mises en chantier sont en recul de plus de 13% et les autorisations de construire en repli de 23%. L'avenir ne s'annonce pas meilleur, avec des ventes de maisons neuves et tout comme le logement collectif qui se sont effondrés de près de 40%. Le marché de la revente, interdépendant d'une autre, a pour sa part perdu un tiers de son volume, certes en partant d'un niveau historiquement haut, mais cela n'enlève rien à la brutalité du mouvement. Cette situation devrait émouvoir l'État. Les acteurs professionnels comme associatifs, dans le secteur privé comme dans le secteur social, ressentent que le pouvoir ne voit pas la réalité grave et violente. Du moins, ils n'y croient pas. Le CNR Logement aura été un triste simulacre de consultation stérile et humiliant. Alors, on a même ici ou là des preuves de déni. Le logement serait résilient et rien ne justifierait qu'on s'inquiète pour lui. Les besoins des Français seraient correctement satisfaits. En ouverture de ce CNR, comme toile de fond des débats qui devaient inventer une nouvelle politique, la direction du Trésor a eu le front de produire une étude surprenante attestant que la construction de 270 000 unités par an suffirait à bien répondre aux besoins, quand toutes les enquêtes établissent un niveau indispensable de l'ordre de 450 000. Le pire est qu'on pourrait bientôt tester en grandeur nature cette thèse si rien n'est fait. En arrière-pensée, se diffuse l'idée que le parc résidentiel déjà là suffirait à répondre à la demande. On nous jette en pâture des chiffres sans fondement comme les 3 millions de biens vacants, équivalent à 9 années de production au rythme annuel. Actuel. La Fondation Abbé Pierre, elle-même, qui pourrait applaudir à cette solution au sans-abrisme, considère que ce décompte est 10 fois surévalué. On mesure d'ailleurs les limites de la mobilisation de ce parc en regardant les piètres performances du dispositif de Normandie. 4 ans après, on dénombre seulement quelques dizaines d'opérations dans les 200 communes Action Cœur de Ville. On entend aussi que l'avenir de la production logement résiderait dans des réponses confidentielles. Ainsi, la transformation de bureaux devenue inutile à cause du télétravail, sans devoir être négligée, sera souvent économiquement irréaliste. De même, la formule du bail réel solidaire a ses limites. 4 400 logements produits en 2 ans. Voilà pour le déni quantitatif qui s'est doublé d'un déni qualitatif. La maison individuelle, l'habitat préféré des Français, l'habitat familial par excellence et l'habitat le plus financièrement accessible a été d'abord stigmatisé et on entend maintenant l'exclure totalement du champ des aides.
Par-dessus, tout cela, nos professions ont le sentiment d'un mépris en haut lieu. Pire encore, la conviction d'être ignorés et que notre rôle économique, social, sociétal et territorial n'est pas perçu. J'aurais voulu que cette conviction appartienne au passé. J'aurais voulu que le ministre du Logement vienne nous témoigner, par sa présence, l'estime que nous méritons. Ce qui est choquant dans le message d'une minute trente qu'il a souhaité nous adresser, c'est qu'il ne propose aucun remède concret et sérieux. Mais jusqu'à quel point l'exécutif ignorait-il le réel ? Jusqu'à quand passera-t-il à côté de la nation sans voir ses besoins ? Certes, nous pouvons nous réjouir que l'organigramme gouvernemental comprenne un ministre exclusivement dédié au logement. Reste que sa mission, face à l'effondrement des ventes et de la production, est d'une ampleur inédite. Et de fait, la décision publique, comme le ministre aujourd'hui, est absente. Notre incompréhension ne peut être que totale. L'année 2023 se conclura par une production proche des 300 000 logements, le niveau le plus bas depuis le début des années 90, alors que la France comptait 17 millions d'habitants de moins et qu'elle n'avait pas à faire face avec autant d'intensité à la décohabitation, au divorce, aux recompositions familiales, à la mobilité et aux flux migratoires. Dans une récente interview, le ministre du Logement a refusé de s'associer à la crainte d'une bombe sociale. Pourtant, comment désigner une situation qui empêche 4 projets sur 10 de se réaliser ? On sait que les ventes et les achats de logements sont gouvernés par des événements de la vie avec lesquels on ne transige pas. Les naissances, les décès, la formation d'un couple, leur séparation, la mobilité professionnelle sont à l'origine de l'essentiel des opérations. Les investissements locatifs permettent eux-mêmes d'apporter des réponses à ceux qui ne sont pas en situation d'accéder à la propriété. Et ils sont tout autant nécessaires. À ces personnes assignées à résidence qui vont pâtir de la suroccupation, de la décohabitation forcée malgré un divorce, du refus d'un emploi ou du renoncement à un projet de formation faute d'un logement proche, disponible et abordable, qui leur dira que tout va bien ? À ceux qui ne parviennent pas à acquérir qu'en réduisant de plusieurs même mètres carrés le logement qu'il a choisi, qui leur dira que l'État assure la satisfaction de ses habitants ? Le risque est considérable, autant que le désarroi, et la colère risque de se faire et de se radicaliser. En d'autres circonstances moins terribles, je n'aurais pas évoqué les difficultés des entreprises, simplement parce qu'en tant que chef d'entreprise, nous assumons notre destin. Aujourd'hui, je ne puis passer sous silence les périls qui pèsent sur la filière, tant ils sont graves. Olivier Salleron a dû revoir à la hausse ses prévisions de suppression d'emplois dans le BTP pour les porter de 135 000 à 150 000. Avec la baisse actée de 115 000 ventes de logements neufs au cours des 12 derniers mois, en prenant en compte les emplois indirects, ce sont en réalité 250 000 postes que les entreprises auxquelles nous recourons et les nôtres ne pourront pas maintenir. Des licenciements et des cessations d'activité en nombre sont déjà à déplorer dans nos rangs. Le pire est néanmoins ailleurs. L'appareil de production et de service du logement est en train d'être décimé pour longtemps. Le moment venu, pour relancer l'effort au profit des ménages, il ne sera plus possible. L'hypothèque va affecter le pays pendant des années. Quant à l'idée que demain des travailleurs d'autres univers professionnels pourraient à bon compte être reconvertis à nos métiers, elle relève du fantasme et en dit surtout très long sur la méconnaissance des savoir-faire que requièrent nos activités. Et puis, comment l'exécutif peut-il feindre d'ignorer que le ralentissement de l'activité de construction résidentielle va appauvrir les finances publiques ? Chaque logement qui n'est ni produit ni vendu prive l'État de 40 000 euros de TVA et de taxes locales en moyenne. Le logement rapporte à l'État deux fois plus que ce qu'il lui alloue. Sans lui, pas de redressement des finances publiques. Des ménages désemparés face à leurs besoins en logement, une filière abîmée et aucun soutien de la part du gouvernement.
À l'inverse, un budget annonçait en retrait de 2,4 milliards d'euros avec des impasses assassines. Un prêt à taux zéro prolongé de façon optique, en fait, prive de souffle et un abandon total de l'investissement privé. On entend que le marché devrait se réguler et que ses acteurs devraient innover davantage et se montrer plus responsables en faisant le deuil des aides. Les entrepreneurs que nous sommes sont droits dans leurs bottes. Nous nous battons pour atténuer l'effet dévastateur de l'inflation et pour que les hausses des taux et des prix des matériaux n'excluent pas du marché la plupart des familles. Nous nous battons aussi pour réduire nos marges au maximum. Je n'ai aucune pudeur déplacée et j'ouvre aujourd'hui nos livres. La marge bénéficiaire d'un constructeur de maisons individuelles en moyenne en France est de 4 500 euros par maison, pour une maison garantie 10 ans, et de l'ordre de 10 000 euros par logement pour un promoteur qui, au surplus, porte un risque financier pendant plusieurs années. Quand on a accepté d'innover, nous avons toujours été au rendez-vous de l'histoire. Nous intégrons sans cesse l'inflation normative et la complexité réglementaire qui, tout en maîtrisant les coûts. Les constructeurs, montrés injustement du doigt pour une prétendue incompatibilité avec le ZAN, fabriquent depuis longtemps des maisons denses, mitoyennes, à étages, en dents creuses, avec le souci constant de la sobriété foncière. Ils n'ont pas négligé non plus de se diversifier, apprenant à rénover au plan environnemental les maisons existantes, à faire de l'extension ou de la surélévation, et même à produire de l'habitat individuel groupé. Il reste que pour des raisons structurelles lourdes, la cherté du foncier, la complexité des procédures d'urbanisme, la fiscalité de la production et de la vente, les classes moyennes sont, sans amortisseur public, dans l'incapacité de devenir propriétaire, occupant ou investisseur. En relevant les barrières à l'entrée, l'inflation a posé une loupe sur une réalité. Le pôle Habitat n'attend pas du gouvernement un plan de relance irréaliste. Lucide sur la situation du pays, nous savons néanmoins, en œuvrant au plus près des ménages et des territoires, que quelques gestes opportuns, au-delà des plans de soutien bienvenus récemment déployés par CDC Habitat et surtout par Action Logement, redonneraient du souffle au marché. La section à la propriété, et d'abord la primo-accession, mérite que l'État les aide. Accepter la baisse du taux de propriétaires occupants revient à compromettre l'avenir des ménages pour la retraite et l'espoir de la transmission entre générations, mais aussi à enrayer le développement économique des territoires. Le prêt à taux zéro, créé en 1995 par Pierre-André Périssol, alors ministre du Logement sous la présidence de Jacques Chirac, a fait ses preuves. C'est le dispositif à la plus grande longévité jamais conçu. Les modalités de sa prolongation jusqu'en 2027 sont inacceptables. En bannissant les 9 dixièmes du territoire alors que les Français veulent y vivre et en sacrifiant la maison individuelle privée des trois quarts de nos compatriotes, elles vont à contresens de l'histoire. Conçoit-on une aide pour qu'elle ne soit pas utilisée ? Le stratagème visant à réduire le coût budgétaire en feignant de vouloir le bonheur des ménages est cynique et cruel. Les défauts intensifiés doivent être corrigés dans le projet de loi de finances 2024. Il faut réintégrer la maison individuelle au dispositif et appliquer à tout le territoire la quotité de 40%. Il faut aussi actualiser de l'ordre de 25% les plafonds de ressources des ménages éligibles, inchangés depuis 2018, comme le montant du plafond des opérations figé depuis 2015. Le coût de cette amélioration serait largement compensé par les rentrées fiscales et pour l'État et pour les collectivités locales. Le PTZ ne constitue pas un confort. Il est la condition sine qua non de la primo-accession de nombreux jeunes ménages modestes. En 18 mois, l'apport nécessaire à l'équilibre du financement a doublé pour atteindre 70 000 euros en moyenne. Le PTZ réduit le montant du prêt principal et fait chuter de 3 points le taux d'effort. Il ouvre la porte de la première acquisition aux ménages qui amorcent ainsi leur parcours résidentiel. Il est un ferment de justice sociale. Nous rejetons l'idée que la propriété soit réservée à ceux qui peuvent emprunter cher, tandis que les autres seraient mis au banc.
serait également salutaire que les critères du HTSF, édictés avant la poussée de l'inflation, soient assouplis. Les banques françaises savent maîtriser les risques en prenant en considération le reste à vivre. Elles doivent être habilitées à utiliser cette méthode. Toujours pour favoriser l'accession, nous portons une mesure simple : exonérer les droits de donation de tout bien immobilier ou mobilier quand les bénéficiaires en font usage pour construire ou acquérir ou rénover un logement destiné à leur résidence principale. La mesure doit être instaurée pour 3 ans, de sorte à déployer sa pleine efficacité. Enfin, abonder le parc locatif, privé comme social, relève désormais de l'urgence. Dans le contexte d'inflation durable, les ménages qui ne peuvent pas acheter se reportent sur la location. Les tensions locatives ont d'ores et déjà cru de 50% dans certaines villes et la vacance dans le parc social est devenue quasi nulle. Nous ne comprenons pas non plus la défiance exprimée par le ministre envers les ménages investisseurs, leur préférant tantôt les CPI professionnels, tantôt les institutionnels. D'ailleurs, ces derniers qui détiennent péniblement 4 à 5% de cette classe d'actifs depuis le début des années 2000 s'en retirent à nouveau. Il faut être clair, les particuliers constitueront donc toujours un gros bataillon du parc locatif. En finir avec les régimes fiscaux spéciaux d'exception et les niches S1. Précisément, nous demandons un statut économique stable et équitable, le cas échéant modulé selon la performance écologique des biens et le niveau de loyer consenti, qui permettrait d'amortir le bien et de déduire toutes les charges d'exploitation. Faut être lucide. Ce ne sont pas uniquement les professionnels de l'industrie du logement qui sont en jeu, mais l'équilibre social et la cohésion de ce pays. En homme du Nord, la région qui a inventé, au début du XXe siècle, l'accession populaire à la propriété des classes laborieuses méritantes, je cite les statuts de la première société anonyme de crédit immobilier, notre ministre ne peut ignorer ce que porte le logement dans notre société. Il me vient quelques mots du célèbre opéra de Bizet. Carmen, il est temps encore. Oui, il est encore temps de sauver le logement français. À cet égard, ni le grand projet de loi annoncé par le président de la République, ni les dispositions éparses dans plusieurs textes qui nous sont promis ne répondront à l'urgence. Il faudra des mois pour concevoir et faire voter ce nouveau cadre, des mois encore pour que les décrets d'application soient pris, tandis que tout se dégrade de jour en jour. Le projet de loi de finances 2024, en cours d'élaboration, doit comporter des mesures fortes. Mes chers confrères, mes chers consoeurs, mes mots de conclusion seront pour vous. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité, valeur cardinale de notre organisation professionnelle, doit nous souder. Plus que jamais, nous devons puiser dans nos énergies d'entrepreneurs la force d'avancer. En votre nom, face au pouvoir public, votre union et avec elle toute la FFB se bat pour la cause logement et pour que nous puissions accomplir notre mission auprès des ménages français. Rien ne nous enlèvera l'espoir que l'État comprenne et agisse avec nous, qu'il se montre responsable. Nous avons voulu nous-mêmes être responsables. En créant hier, avec une dizaine d'organisations professionnelles, l'Alliance pour le logement, et nous avons fait taire nos différences, nos approches identitaires, pour privilégier l'intérêt général. Si vous m'autorisez une métaphore rugbystique, en cette période de Coupe du Monde, il est temps de pousser en mêlée. L'heure n'est plus aux égoïsmes ni aux enjeux d'acteurs. Puisse cette posture inspirer les décideurs publics. Mes chers amis, nous pouvons avoir la fierté de défendre une cause juste, et les causes justes triomphent toujours. Retournons dans nos territoires avec cette confiance et cette conviction qui nous permettra de mobiliser. Merci beaucoup de votre attention.